dire qu'avenant, et puis avec M. Samuel Moine, de ce mouvement du maintien du RSPA. D'accord? Comment? Je suis un pro-moine. Oui, je peux dire oui, je suis un pro-moine si vous voulez. Étant en démocratie, je peux le dire. Donc, mobilisation du dimanche opinionné. Oui, ne serait-ce que ça. Et puis, vous me permettez de parler à Maoré pour ma communauté ici, yes. À La Réunion. Oui, est-ce que je peux parler à Maoré? Écoutez-moi, madame, est-ce que je peux parler à Maoré pour passer mon message au point de vue de la mobilisation? Comment ça, non? Mais je ne peux pas parler à Maoré pour appeler au mouvement de M. Samuel Moine? Mais je vais parler en français alors. Je vais parler en français alors. Je vais parler en français. Madame, par les pouvoirs qui vous sont conférés de votre côté, je me présente avant tout, je suis M. Amadi Atoumani, et je suis là pour soutenir M. Moine au point de vue de son mouvement du maintien de l'RSTA. D'accord? Parce que un bon peuple qui n'a pas compris. Faire une certaine usurpation d'une certaine dogme qui nous a été enseigné par monsieur, je dirais, relire là et Nelson Mandela, qui nous a enseigné ceci, que quelque part, quand nous sommes heureux, eh bien, nous nous enfermons dans de tours d'ivoire et que notre orgueil est notre suffisance confort. Et nous allons par la suite maltraiter avec indifférence, voire avec mépris, la générosité et l'affection des autres. Et quelque part ici, je m'adresse au point de vue de nos autorités, plus précisément du préfet, qui lui peut être à même de comprendre, puisqu'en fait il représente l'État ici. Et que, étant le préfet, il est comme tout autre, au summum de la République. Donc, maintien de cet RSTA, c'est un acquis. Et quelque part, quand je vois, quand j'essaie de. Je parle après, vous allez comment dire, filtrer ce que vous voulez de bon, mais au moins vous me laissez parler, parce que nous sommes dans un pays démocratique et je m'engage ce soir à parler. Et donc voilà, j'appelle au Maoré. À ma communauté de se réunir à la préfecture de Saint-Denis, à ma communauté surtout de Saint-Denis, de venir pour ce mouvement de ce dimanche prochain à 15h à 15h pour manifester, et parce que moi-même je suis un travailleur, mais je voudrais que ceux qui ne travaillent pas et qu'ils viennent pour manifester.